Alors bonjour, je me présente, moi c'est Nadia Rivard, je suis propriétaire du Maître Glacier à Douville. Le Maître Glacier, ici à Douville, c'est une franchise que nous avons achetée il y a de ça 5 ans. Ça est parti de Grimbay. Donc, le premier Maître Glacier date de 2006 à Grimbay. Vu la popularité de ce commerce-là, les gens de Grimbay ont décidé de créer des franchises depuis 2010. Nous sommes maintenant 16 Maîtres Glaciers au Québec. Le Maître Glacier Douville a vu le jour le 21 juin 2014. Donc, on fête nos 5 ans complétés cette année. Maître Glacier est tout d'abord une gélateria. Donc, on est populaire grâce à nos gélatos et nos sorbets qui sont fabriqués ici sur place, avec des produits italiens. Aussi, évidemment, le bar laitier complet. Et on a aussi également la bonbonnerie. Donc, c'est un vaste choix de bonbons qui sont là tout le temps, à tous les jours. On ouvre début mars, donc la première ou deuxième semaine de mars, et on ferme à la fin décembre. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va toujours ouvrir en mars avec, évidemment, le bar laitier, gélateria, gâteau, c'est toujours disponible à l'année. Par contre, on va partir avec notre saison avec les chocolats Giacomo, donc avec l'arrivée de Pâques toujours au printemps. On revient aussi avec nos chocolats chauds et les desserts les plus populaires. À la mi-avril jusqu'à la mi-septembre, on a seulement le bar laitier et les gâteaux gélateria qui sont disponibles. Et par la suite, à l'automne, on revient avec nos succulents chocolats chauds. Donc, on peut faire plus de 50 saveurs de chocolat chaud qui sont faites à la main avec des pastilles de chocolat belge. On a une super belle diversité de desserts également pour sucrer le bec. Et évidemment, on termine en décembre avec les bûches de Noël, nos fameuses bûches de Noël en gelato et en sorbet. Mon amour pour la crème glacée vient de ma jeunesse. Donc, moi, je viens d'ici, de Saint-Thomas-d'Aquin. Et quand je sortais des champs de fraises, des champs de framboises, j'allais à tous les jours, je m'allais manger ma crème glacée. Donc, et par la suite, avec ma fille qui joue au soccer, avec les pratiques, les games, bien, on était tout le temps rendu dans les bars laitiers. Et à un moment donné, je suis rentrée dans le Maître Glacier à Grimbay. Et ma première réaction a été « wow », avec la couleur, la diversité, les produits frais. Je me suis dit, ça, c'est le genre d'entreprise qu'un jour j'aimerais avoir. Donc, c'est à partir de là, en fait, cette idée-là, avec David, qui est propriétaire avec moi ici. On s'est dit, un jour, on va ouvrir un Maître Glacier à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est à partir de là que l'idée a germé et depuis 5 ans qui est en route. We'll be right back.
durant l'automne, comment on va se diversifier et surtout essayer de se rendre un peu concurrentiel, c'est vraiment avec les chocolats chauds qui sont de plus en plus populaires. Donc, les gens commencent vraiment à les connaître et à les apprécier. Les desserts, donc notre gâteau carotte qui est très, très, très populaire auprès de notre clientèle et les différentes autres, donc les crêpes, les pâtisseries du maître. C'est sûr qu'une façon aussi qu'on va se différencier des autres, ça va être beaucoup avec nos produits sans lactose et nos produits sans gluten. Donc ça, on essaie vraiment d'aller chercher cette clientèle-là qui est intolérante ou allergique au lactose ou au gluten et qui sont vegan. Donc en tout temps, on a notre crème glacée molle vegan qui est nouvelle de l'année passée. Qui est vraiment, les gens sont vraiment très contents parce qu'enfin, ils peuvent manger un cornet, manger un sundae, manger une tornade. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis on a nos sorbets qui sont toujours là aussi pour les gens qui sont intolérants au lactose. Moi, j'ai un bac en administration des affaires. Donc, quand je suis sortie de l'université, pendant mes études, j'ai toujours travaillé en restauration. Donc, j'ai travaillé ici, au Tipper, pendant 5 ans. J'ai travaillé à la Cage au sport. J'ai travaillé pour les services banquiers du Reine-Élisabeth à Montréal. Et par la suite, quand je suis sortie de l'université, j'ai été embauchée par le Château-Beaumont, donc comme cadre. J'ai été là pendant 5 ans. Puis après ça, j'ai toujours cherché des nouveaux défis. J'ai travaillé pour les maxis, les épiceries. Comme gérante des caisses, directrice adjointe. Donc, depuis vraiment le début, je gère du personnel, je gère des jeunes, je gère des gens. Donc, c'était quelque chose que j'ai toujours aimé. Puis, j'étais à la recherche d'un nouveau défi. Puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, le bar laitier était comme un peu une continuité. Puis, je me suis décidée de me lancer. Ma routine, en fait, est assez simple. C'est travail, travail, travail. Donc, 7 jours sur 7. Le matin, c'est sûr que j'essaie beaucoup de faire mes commandes, faire mes payes, les horaires. Je pense à mon marketing, mon Facebook, tous ces trucs-là. J'essaie de voir aussi ça dans quoi qui est préférable de m'impliquer parce que j'essaie aussi beaucoup, beaucoup de m'impliquer, autant par le mets glacier, mais aussi de façon personnelle. Donc, avec le mets glacier, on s'implique au niveau avec le FC Saint-Hyacinthe, donc qui est le club de soccer de Saint-Hyacinthe, qu'on est commanditaire officiel. Je m'implique avec la sclérose en plaques. Je m'implique aussi à la Fondation Aline Letendre avec leur tournoi de golf, la Fondation de l'hôpital Honoré Mercier aussi par leur tournoi de golf. Je m'implique aussi beaucoup à Douville, donc dans la communauté, donc avec l'école, avec les loisirs. Et personnellement, avec le Club Optimiste de Douville, qui est une gang vraiment extraordinaire. Donc, c'est vraiment avec ça que je drive mes avant-midi. Puis l'après-midi, puis le soir, j'essaie vraiment d'être sur place, d'être sur le plancher avec mon staff pour voir mes clients, rencontrer mes clients, puis les servir avec le sourire.
côté des nouveautés, en fait, l'année passée, Maître Glacier a lancé la série de fondues au chocolat qui sont faites à partir de chocolat belge, donc qui ressemblent vraiment beaucoup à nos chocolats de trempage qui sont adorés. On en a plusieurs saveurs, donc noir, lait, blanc, blanc, l'érable, noisette, caramel, fleur de sel. Sont des produits qui sont super le fun parce que c'est des produits refermables, donc qui peuvent être réutilisés, réutilisés, réutilisés sans aucun problème. Ça a été vraiment une belle arrivée l'an passé. Il y a aussi nos shakes qui sont arrivés l'année passée, donc une version un peu plus décadente de nos milkshakes traditionnels. Puis cette année, bien, c'est l'arrivée des cornetto, je pense, qui va voler un petit peu la vedette avec le cornetto cabane à sucre, le fruité, la bonbonnerie. Donc je pense que ça va être une belle nouveauté cette année. Tout est dans un cornet gaufré, c'est vraiment un beau produit, c'est vraiment le fun à servir. Mon plus gros avantage, j'ai une belle grande terrasse. Puis j'ai des super de beaux produits, mes gélatos, mes sorbets. Il n'y en a pas d'autres ailleurs dans le coin qui ont cette qualité de produits-là, qui sont faits sur place, qui sont travaillés avec autant d'amour. mais je pense que ça, c'est ma plus grosse avantage. Mais la deuxième, puis qui est sûrement la plus importante, c'est mon équipe. L'équipe qui est derrière moi, donc les jeunes qui sont là, qui sont souriants, qui servent mes clients, qui sont attentionnés. Ça, c'est vraiment, c'est ma gang, puis je pense que honnêtement, j'ai la plus belle gang. La journée du carnet gratuit, bon, c'est la troisième année. C'est sûr que c'est une très, très grosse journée. C'est une journée qui est là pour notre clientèle. C'est pas une journée qui est là pour remercier notre fidèle clientèle, en fait. Donc, le principe, c'est de donner un cornet, un petit cornet de crème glacée molle trempé dans un de nos chocolats belges ou encore un gelato deux saveurs. Donc, c'est ce qu'on fait de 11h jusqu'à 5h, samedi le 27 avril. Et c'est sûr qu'on s'attend à toujours énormément de monde, donc, mais c'est vraiment une journée pour ça. C'est une journée faite pour remercier la clientèle, créer comme une espèce d'happy hour pour le monde de Saint-Hyacinthe, puis des autres mères glaciers, évidemment. Puis aussi, bien, ça permet de faire pratiquer les cornets à mes nouveaux. Les défis sont là à tous les jours parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est sûr que les plus grands défis, c'est toujours quand il y a une machine, un congélateur, c'est toujours ça quand ça lâche. C'est jamais le fun. Les plus gros défis, ça a toujours été quand un long congélateur lâche puis que tu te réveilles le lendemain matin puis que tout est fondu. Ça, c'est pas le fun. C'est pas mal ça, les plus gros défis, là, les plus onéreux, je dirais. Mais pour ce qui est du reste, que tous les jours, c'est tous des défis différents. C'est ça qui est le fun. Une journée pendant un gros rush, un dimanche après-midi, ou des line-ups, deux line-ups jusqu'à la porte, puis que ma machine à crème glacée, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais le devant a lâché, puis tout s'est mis à sortir. Je pense que ça, c'était mon plus gros... Là, j'étais contente d'avoir une deuxième machine, honnêtement, parce que tout était bloqué partout. Donc, je pense que c'est ça. Sinon, le reste, les défis, c'est sûr qu'au quotidien, ça va être beaucoup le marketing de se faire voir, le Facebook.
d'essayer de voir qu'est-ce qui est le meilleur pour nous pour continuer à avancer puis continuer à faire parler de nous. C'est sûr que sinon, c'est pas très compliqué, en fait. Il faut vraiment avoir le goût de travailler très fort. Ça, c'est la première chose, de se donner à 300 % dans notre projet. Mais ça, je pense que c'est peu importe l'entreprise qu'on veut partir. Une entreprise en démarrage, c'est toujours un gros défi en soi. Mais je crois que le Maître Glacier, en tant que tel, la meilleure façon, ce serait vraiment d'aller sur le site Internet maîtreglacier.com. Vous avez vraiment toutes les informations, les 7 étapes importantes pour partir une franchise, en fait, pour se donner l'idée ou l'envie de partir une franchise Maître Glacier. Puis il y a toujours les gens qui sont là, les franchiseurs qui sont là pour répondre à vos questions puis vous rencontrer pour le démarrage. J'ai même pas pensé à partir autre chose qu'un Maître Glacier. C'est vraiment quand je suis rentrée dans le Maître Glacier à Granby, le wow que j'ai, je me suis dit, c'est ça que je veux parce que c'est différent, justement. L'accueil chaleureuse, moi, je voulais le reproduire. Je voulais créer ici à Saint-Hyacinthe une espèce d'happy hour avec les balançoires et je voulais que les gens puissent se rencontrer. Je trouve que les gens ne se parlent plus beaucoup entre eux. Donc ici, c'était le but de faire en sorte que les gens en équipe, en famille, puissent se rencontrer, se jaser, prendre le temps de discuter. Donc puis en fait, c'est ça qui arrive sur la terrasse souvent l'été. Les gens passent des heures et des heures assis. Puis je trouve que c'est ça que je trouve le fun. C'est d'apporter ce petit bonheur-là à toutes les fois. C'est sûr que venir chercher une crème glacée, c'est un petit bonheur en soi. Donc, de pouvoir leur offrir ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Puis aussi, bien, travailler avec les jeunes. C'est quelque chose que j'adore. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher très, très profondément. Donc, les jeunes, c'est ma gang, c'est mon staff, c'est mes enfants. C'est vraiment avec eux que je vais aller créer toute cette ambiance-là qui fait en sorte que ça fonctionne depuis 5 ans. Survivre dans cette industrie-là, je pense qu'il faut continuer à évoluer dans le sens de trouver des nouveaux produits, des nouveautés. C'est sûr que ça, la franchise est là pour ça. Chacun des franchisés aide aussi à la franchise, va donner ses idées, ses opinions, on a des rencontres. Donc ça, c'est le fun aussi, c'est des franchiseurs qui sont très ouverts à entendre qu'est-ce que nous, on a besoin, parce que nous, on est chacun dans nos villes, donc on sait ce qu'on a besoin pour chacun de nos clients. Mais la franchise est là, puis elle est très dynamique aussi pour nous aider à apporter justement ces nouveautés-là. Ils sont très actifs dans le sens qu'ils vont en Italie une fois au moins par année pour aller chercher tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouveaux produits, nouvelle façon de faire. Donc, ils sont très, très adaptés sur ces choses-là. Donc, ça, c'est bien le fun pour ça.
qu'est-ce que je crois apporter? En fait, un petit peu comme j'ai dit tantôt, un endroit où les clients peuvent s'asseoir, relaxer, puis jaser, discuter entre eux autres. J'aime quand les gens ils viennent ici puis qu'ils me disent « on se sent comme chez nous quand on vient ici, c'est chaleureux ». Ça, moi, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut me faire parce que c'est vraiment ça que je veux apporter aux clients. Un endroit où ils ont l'impression d'être chez eux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr que ce que j'essaie d'apporter, bien, ça va être ma contribution souvent bénévole, soit par le Maître Glacier ou soit par mon implication personnelle donc à la ville et aux jeunes surtout. C'est surtout aux jeunes que je pense. J'essaie de m'impliquer beaucoup avec eux. Dans 5-10 ans, écoute, c'est sûr que j'espère être toujours ici, que ça continue à progresser, que ça continue à bien aller comme c'est en ce moment. Donc moi, c'est vraiment mon objectif, c'est juste de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire être présente ici, continuer à faire progresser tous les jeunes qui vont passer ici, puis de continuer à plaire à cette clientèle-là que j'aime beaucoup, à cette clientèle fidèle-là. En tant qu'entrepreneur, je te dirais très impliqué, dévoué autant à mon staff qu'à ma clientèle. Légèrement, peut-être un peu trop même perfectionniste. Puis peut-être un peu trop hyperactif par moment, mais je pense que la première, je pense que c'est vraiment dévoué à ce que je fais. De croire en son projet, puis de se donner à 300%. Je pense que ce serait vraiment d'y croire puis de le faire avec cœur. Pas de le faire pour autre chose. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que quand on vient au Maître Glacier, on vient ici pour se faire plaisir. Donc, c'est vraiment la première règle. Puis, je veux que les gens sortent d'ici avec le sourire, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils veulent revenir.